Ouais, si. On va faire des caca vidéo remplis de miel et de framboises. Les gens, des fois, on dirait qu'ils se mentent tellement pour s'en remonter, pour être heureux, puis trouver le bonheur, que ça fait l'effet inverse. Ça, c'est comme le B4, OK? Le B4, pour ceux qui savent pas, c'est un genre de bar pour les 14-18 ans. Hey, le chiant monumental que ça le fait à toi! Chantais pas moi à 14 ans pis je suis pas morte! Hey, c'est pas toi l'autre jour qui était tellement seul au club qui s'est pété à la tête sur le bord du poteau quand tu dansais avec Marc-André? Ben ouais, tu sais, là, Marc-André, là, le gars que tu connais fuck all, qui a passé la soirée à te payer des verres pis qu'à la fin, ben t'es parti avec. Une crise de chance que tu sortais pas à 14 ans, ça aurait tombé en scène jeune, cette affaire-là. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous êtes crissement pas mieux aujourd'hui. Ok, ouais, peut-être que les jeunes en star sont ben ci pis ben ça, mais toi aussi calliste, tu suis en sacrement le mouvement. Pis t'es sûrement pas un des meilleurs exemples à donner à des jeunes filles de 14 ans. Là, je sais pas si toi t'es mal parce qu'à cet âge-là, tu passais tes soirées à jouer au Uno avec tes parents, mais je veux juste t'informer que plus les années passent, plus ça change. C'est ça, la vie. Je dis pas que je prends le B4 pis les relations sexuelles à 11 ans, mais voulez-vous bien faire vos affaires pis laisser les autres faire les leurs? Me semble que c'est pas compliqué. Ça, c'est comme le monde qui critique les autres en fonction de leur orthographe. Plus tu fais de fautes, moins t'es intelligent. Plus je te connais, plus j'ai le goût de me tirer une balle dans la tête. T'as tellement une orthographe de merde. C'est pourquoi je tenterai même pas de comprendre ce que t'essaies de me dire, même si ça a crissement plus de sens que ma manucure française. Mais je vais te juger sur tes fautes d'accord pis de grammaire. Oh! Ça oui! Hey, si j'aurais une queue, là, je te collerais dans la gueule sur un ostite. Oh my god, les si n'aiment pas les rires, ok, on apprend ça en première année du primaire. Mais je m'en contre tabarnak! On n'est pas dans un examen du ministère où une année complète est en péril si je fais. Y'a pire que ça dans la vie, ma belle. Fait que, ouais. Avale tout. Mais oublie ça, en 2012, si t'écris mal, t'as pas d'avenir, t'es un drogué, pis tu passes tes fins de semaine à jouer à Saint-Fro parce que, calisse que la vie a de l'air plus passionnante là-dedans que ici. Parce que si t'es frappé dans la face avec un vrai dildo mauve, c'est mon plus grand rêve à cette heure. Fuck tes attaques de zombies, mouille les jouets sexuels utilisés pour te coxlapser sous le nez et se m'émoustiller. Non, sérieusement, ce qui est vraiment de valeur, c'est qu'on veut tellement que tout soit comme on veut qu'on se rend pas compte qu'on fait juste la calisse de merde. Imposer de quoi à quelqu'un, c'est comme donner une manette d'Xbox à une fille. Ça marche juste pas. Y'a personne de pareil. On est tous différents pis ça va toujours rester le même. Parce que si on avait toutes les mêmes idéologies, là, la guerre n'existerait pas. Les chicanes, y'en aurait pas. Pis les suicides seraient impensables. Là, je suis pas en train de dire qu'après cette vidéo-là, bam, tout le monde s'aime, gros portal à Superbad and shit. Sauf que lève-toi, dirige-toi vers un miroir, regarde-toi, pis dis-toi que si toi aussi. Ça fait beaucoup de toi, ça, à recommencer. Sauf que lève-toi, regarde-toi dans un miroir, pis dis-toi que si t'es unique. Ben tout le monde l'est. Plus je commence à être tannant en sacrament qu'à chaque fois que je me connecte, mon newsfeed Facebook est rempli de statues d'Attention War qui ont de la peine. Attention War? War? Oui, c'est drôle, hein? En édu, j'étais toujours choisi la première, mais des travaux d'anglais et j'étais pogné pour les fêtes seules. Bref, ça arrive. Je commence à être tannée en sacrament qu'à chaque fois que je me connecte sur mon Facebook, mon newsfeed est rempli de statues d'attention whore qui ont de la grosse peine parce que leur chum les a crissés là, c'est la fin du monde, ils veulent se suicider parce que leur calice de robe sale, ils fêtent pas avec leur prolan. Calice que tout va mal le matin! Là, ça paraît pas, vite de même, c'est subtil, mais je viens de perdre mes pantalons en tapant du pied. Maman, où ma ceinture? Je viens de perdre mes bobettes devant la cam. Ben oui, c'est bientôt l'heure de la nouvelle heure, c'est normal que ça aille mal. On appelle ça le karma. Le Maxime Brown est allé le porter à l'animalerie, mais je vais tenter de le retrouver. Je pense qu'on s'acharne trop à chercher le bonheur, puis qu'on se rend même pas compte, ben, qu'on l'a déjà. Être heureux, c'est comme chercher ses clichés quand on les a déjà dans les mains. C'est ironique en crise, ça! Fait qu'à cette heure, à la place de te minder à chercher de quoi que tu possèdes déjà, pourquoi est-ce qu'on tente pas tout ensemble de changer le monde pour en former un meilleur? Sur ce, vous êtes actuellement 42 000 sur ma fanpage Facebook, dont le trois quarts, c'est des Français! Mais comment vous faites, honnêtement, pour me comprendre?